C'était du vert ce jeudi midi pour les marchés européens et ce alors que l'indice de confiance des consommateurs en zone euro s'est révélé meilleur qu'attendu en sortant à 104 points. À 13h42, le Stoxx 600 gagnait 0,57% à 396,24. À Londres, le FTSE prenait 0,75% à 6680,43. Et à Francfort, le DAX était en hausse de 0,39% à 11255,35. Sur le marché français, le CAC 40 affichait lui aussi une jolie progression de 0,70% de gagner à 5052,35. Il y avait 27 valeurs en hausse pour 11 valeurs en baisse. Et à noter parmi les plus fortes hausses du jour, Safran, plus 9,57% à 67,22€. Alcatel-Lucent, plus 5,92% à 3,45€. Et GDF Suez, plus 4,77% à 17,69€. En revanche, à la baisse, on retenait Renault, qui cédait 7,57% à 83,51€. Un mot du marché d'échange avec l'euro qui valait 1,0955 $. Et le dollar était lui coté 124,36 yens. Et enfin, pour terminer sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans reculait de 3,8 BP à 0,97%. Depuis le Stock Exchange de New York, c'était Sarah Pison. Bon week-end.